Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes dans The Late Luc Monet Show. Où on est fatigué ce soir, où on est crevé ce soir, mais on est content d'être avec vous. Mais quelle journée encore, qu'est-ce que cette journée complètement incroyable sur les marchés financiers. Pour tout vous avouer, on est sur le cul, comme on dit vulgairement. On est clairement sur le cul quand on voit ce que font les marchés actuellement. En fait, force est à la finance. Les marchés explosent, ils montent. Oui, mais jusqu'où? On va en parler, bien évidemment. Effet de mode ou effet plutôt de buzz actuellement. Tout le monde achète. Alors là, c'est pas compliqué. Tout le monde achète, surtout les jeunes. C'est ce qui devient inquiétant. Pourquoi ? Ben parce qu'on va en parler. Vous allez vous apercevoir très rapidement que quand on est jeune, on est aussi extrêmement fragile. Alors, il y a des mecs qui sont gonflés à la testo qui vont me dire « Luc, t'es ouf ou quoi ? Moi, je crains personne, je crains des gains. » Mais oui, mais écoute, jeune, quand même. Écoute ce qu'on va dire. Tu vas voir que c'est vachement important. Même si tu fais du training et que ça te réussit, tant mieux pour toi et on te félicite. Mais il faut quand même prévenir ceux qui sont en train de gonfler les caisses d'un mec ou de plusieurs mecs qui vont se régaler avec ton pognon. Bah ouais, on va se marrer, bien sûr, dans cette émission. On va tenter de faire rire, mais on va parler quand même d'une certaine réalité où il faut être prudent. En fait, un homme averti en vaut deux, ça vous le savez, mais voilà. Ben on va t'avertir, ça c'est fait. On va d'abord, on va dire, tiens, avec Samos, j'ai reçu un petit papier avec Samos te concernant, vous vous souvenez, il y avait un jeu concours dans la dernière émission, il y avait à gagner le livre de la quasi-certitude, celui qui vient de sortir, et c'est avec Samos qui l'a gagné la dernière fois, il avait trouvé le niveau de 46 721 Bitcoin, à 20h, il avait donné en tout cas le bon niveau. Si ça vous intéresse, c'est le dernier qui vient de sortir, vous avez celui des excès de prix, vous avez les figures du trading, vous avez le lexique du trading, vous avez le manuel de l'utilisateur. Luc, arrête. T'es une vraie librairie, presque en tout cas, on dirait presque ça. Des livres qui valent leur pesant d'or, c'est clair. Oh, puis tiens, j'ai envie d'être fou ce soir, tiens. Tiens, celui-là. Vous en prenez deux, le deuxième est à 50%, tiens. Tiens, Charlotte, elle va nous le mettre dans le chat. 50% de réduction sur les livres? Mais Luc, t'es devenu fou. Ah non, je suis comme ça, moi. Je veux que vous puissiez gagner grâce à ça. Allez, 50%. 09 80 08 20 11. Vous avez intérêt à aller vite. Hein. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, c'est terminé. Ça, c'est clair. Nous sommes le 9 mars 2021, bien évidemment. Il est 19h15 et c'est parti pour The Late Luc Monet Show de ce mardi soir. Jeunes et trading égale danger. Les jeunes sont des proies faciles pour ceux qui veulent les dépouiller de leurs économies. Crédules, cupides, rêveurs, inexpérimentés. Ils mettent souvent, en tout cas, quelques temps avant de s'apercevoir qu'ils ont été bernés, surtout depuis l'avènement de la crypto. On va en parler de la crypto-monnaie. On va parler crypto-monnaie. Bah oui, on va parler du BTC. Ils sont encore plus fanatiques du Bitcoin. Même dans les courses de récré, l'époque des Pokémon est complètement finie. Moi, je jouais aux osselets. Sont arrivées les cartes et après, bien sûr, le jeu des Pokémon et maintenant c'est le jeu du Bitcoin. On verra avec Stéphane tout à l'heure si la législation autorise vraiment les moins de 18 ans à aller travailler sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce que risquent les brokers qui laissent des mineurs travailler sur les marchés, puisqu'on parle de travailler, de négocier, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de le faire? Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas vérifier justement tous ces comptes qui achètent du Bitcoin pour les moins de 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans? Ils sont tous accros du Bitcoin. En tout cas, ont-ils raison ou tort? On verra absolument tout à l'heure. Alors, comment font ceux qui les draguent, les jettent bien sûr juste derrière? Quelles sont leurs techniques? Qui sont-ils? Comment réussir à gagner alors un petit peu? On va en parler. Nous en parlerons bien sûr pendant cette émission. Je demanderai à Léo bien sûr qu'il m'accompagne dans l'explication, tiens, des tokens. Parce que la nouvelle arnaque pourrait venir justement de l'émission de tokens à la mort moins le chou pour pas être pire. Salut Léo. Bonsoir Luc.
Salut. Tu vas tokeniser ce soir. Je vais tokeniser le monde. Mais tu vas tokeniser à la Walt Disney ou à la Texavri, quoi. C'est ça. On est en train de voir sur le web des mecs qui mettent en place des tokens plus dégueulasses que les autres. Alors Léo va nous parler de comment identifier une entreprise qui, la plupart, n'est qu'une simple boîte postale avec des mecs qui se filment sur YouTube et se racontent une vie, souvent beaucoup plus petit que ce qu'ils veulent paraître sur Internet. On va en parler, bien sûr, ce soir. Dites à vos enfants, à vos adolescents, à vos cousins, cousines, copains, copines. Alors, ils feront tout pour justement que la vidéo ne se voit pas, mais on va tout faire pour que la vidéo se voit et qu'on apprenne effectivement à tous ceux qui n'y connaissent rien comment détecter les nouvelles arnaques qui arrivent sur Internet. Elles arrivent à 200 à l'heure. Envie de raconter des bêtises, envie de dire tout et son n'importe quoi. En tout cas, c'est bien là. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Elles arrivent, elles sont là, lui. Elles sont là déjà. Bah oui, on a vu des choses sur Internet. Ah ben on va se marrer, ou en tout cas on va essayer de vous faire rigoler. On continue, si vous souhaitez en tout cas vous exprimer pendant l'émission, vous le savez, vous le pouvez. Cette émission est une émission libre antenne. Grâce à vous, vous pourrez protéger ces jeunes en faisant tourner l'émission et en les faisant venir dans cette émission. La première réaction sera souvent « Ouais, c'est de la connerie, moi je suis milliardaire en Bitcoin ». La seconde c'est « Aïe, 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 je me suis fait mal ». J'aurais dû écouter, on a tous été jeunes. On est tous passés par là, en tout cas, on va en parler. Soyez respectueux, même si des fois c'est compliqué quand même. Des fois on voudrait vraiment dire des gros mots, on voudrait... Ouais, des fois c'est dur, mais on sait se tenir. En tout cas, pas de placement de produits, hormis bien sûr ce que vous appréciez, et surtout pas de publicité malsaine. Le dernier que j'ai vu faire ça est dans sa voiture, à l'arrêt, sur un parking, et se filme en expliquant que pour bien gagner en bourse, il faut travailler deux instruments au maximum. Du grand n'importe quoi. On commence par les statistiques Genius Station. Une Mariana qui est mobile ce soir, elle se balade sur le plateau, elle est en haut, en bas, pourquoi pas. On va regarder les statistiques et vous allez comprendre pourquoi on est crevé. En fait, il faut que je vous explique un truc. Les statistiques révèlent quelque chose d'extrêmement important. La Genius, vous savez que la Genius, c'est le premier algorithme multi-broker, multi-asset, multi-position, multi-core banking et tout ce qui va avec, s'ouvre petit à petit à tous les produits, tous les assets. Ça fait de la crypto, des futurs, des actions et un peu tout, bien sûr, qui existe. Pourquoi ? Bah parce qu'elle est dopée à l'intelligence artificielle et l'algorithme bat son plein. Si vous voulez regarder, on a, et si vous allez vite comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, on a réalisé en une journée 120 opérations. Alors autant vous dire qu'on est sur les rotules, on est crevé, absolument crevé, parce que les marchés montrent effectivement le sud, mais montent vers le nord, donc il faut pouvoir arbitrer et forcément faire attention. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que c'est un tout petit morceau de gain. 1133 dollars réalisés, ou euros d'ailleurs réalisés, c'est quasiment que dalle. Et en dessous, vous avez en tout cas la Genius version statistique. D'abord, des abonnés qui gagnent à hauteur de 96,15%. D'ailleurs, clin d'œil à nos développeurs, il faudrait remettre les bons niveaux, s'il vous plaît, au niveau de février, parce qu'on n'y comprend absolument plus rien dans le graphique qui est à côté. 96,15 déclare, il déclare, hein, c'est des chiffres automatiques qui nous arrivent quand les gens déclarent gagner ou perdre. 96% gagne, 69,23% déclare réaliser plus de 30 points par jour, 3,85% réalise plus de 20 points, 0, plus de 10 points, moins de 10 points, 3,85. La même somme, effectivement, de personnes déclarent perdre sur la période. Et enfin, 19,23 sont absents. Ah, la plupart d'entre vous, vous attendez avril, hein. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah bah non, parce qu'en avril,
Tout le monde est en vacances ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils veulent tous faire du trading en avril. Tout le monde nous dit, je m'abonne maintenant pour Genius, avoir effectivement l'auto-trade de prêt pour le mois d'avril. Ah bah abonne-toi si tu veux, hein. 09 80 08 20 11 ou alors geniustradeunionstation.com. Sois prêt à faire de l'auto-trade parce que ça décoiffe quand même. Le truc qui te passe là, tu vois passer 20 opérations en 3 secondes, je peux te dire que tu as les cheveux Studio Line de L'Oréal, hein. Le truc qui passe à 200. C'est tellement beau de l'avoir réalisé, bien évidemment. C'est génial. Allez, on continue. Les résultats des opérations de Genius. Ils ont été extrêmement fameux sur la crypto, sauf aujourd'hui d'ailleurs, sur Bitcoin. Aujourd'hui, ça n'a pas été terrible. Et ils ont été extraordinaires sur les futurs. Ah bah, les futurs, ça reste quand même la spécialité de l'auto-trade Genius. On va en parler. Vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi. Crypto, c'est quand même 1353 points de gain. Mais qu'est-ce qu'il y a, Léo? Qu'est-ce qu'il a? J'ai rien dit de mal. C'est pas fameux sur la crypto, excusez-moi, Luc, 1300 points de gain. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même côté futur 1838. Ah bah je te bats là, je t'ai battu là côté futur. Bah oui, parce que sur le plateau, on peut avoir une vue du plateau s'il te plaît, Mariana, là-haut. Tiens, regardez. Sur le plateau, c'est octogone sans arbitre, hein, sans règle ni loi. C'est vous qui rentrez du Bitcoin futur. Tiens, regarde, lui là, lui fait de la crypto, on va s'expliquer bien évidemment. Et moi je m'occupe de la partie effectivement futur. Léo, il est aussi capable de faire du futur que de la crypto. On va vous en parler de toute façon. Ça bataille sec, hein, à coup de bouteille d'eau et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Des fois sur le plateau on réalise même pas. Là où c'est pas terrible en ce moment, c'est sur le forex. On va l'expliquer aussi. Est-ce que le forex arrive à la fin? Est-ce que le forex arrive en bout de course? Est-ce que le forex véritablement s'est dépassé? Mais en fait, faire de la crypto quelque part, c'est faire aussi un petit peu de forex. Parce qu'on est sur une place d'exchange, on fait du change et c'est du Forex V2. C'est pour ça d'ailleurs que tous les brokers Forex actuellement font la gueule. Ah bah ils font la gueule, hein. Ah bah ils font la gueule parce que le fric qui était sur le Forex brut, euro dollar, USD yen, Bitcoin, hein. Marguerite, 14 ans, hop là, Bitcoin. Marguerite, je suis un peu gonflé. Maintenant, c'est plus mal. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Luc, je vais sur n'importe quel exchange. On a des crosses euro-dollar, GBP-dollar. On a les crosses du Forex. Mais les gens n'en veulent plus. Ils veulent de l'Ethereum, du crypto, du Litecoin, du Dash. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Dogecoin? Mais ce qu'ils font, c'est que voilà, ils font leurs affaires avec, je sais pas, du Bitcoin, du Dash, de l'Ether, etc. Et s'ils voient une opportunité, par exemple, sur GBP-USD, ben, ils peuvent la prendre. Allez, montre-moi dans la cour de récré celui qui fait de l'euro-dollar. Ils sont tous sur le Bitcoin et tu le sais très bien. Ouais, mais sur la ils achètent tous du Bitcoin. Ah, donf. Ça, c'est clair. Tiens, c'est quoi la crypto la plus exotique actuellement? La plus exotique, oula. La variante, tiens, on va appeler ça la variante. C'est quoi la variante actuellement? La Amérique du Sud? Matic. Matic? J'arrête pas d'en entendre parler de la Matic en ce moment. On en reparlera tout à l'heure avec Léo. Restez bien avec nous, il va vous expliquer l'arnaque au token. Cette arnaque au token que vous devez absolument apprendre pour pas vous faire défoncer. Surtout si tu as moins de 18 ans ou même moins de 25 ans, crois-moi. T'es la proie facile, ils vont te choper, ils veulent te serrer, c'est tous tes potes. Mon œil, ouais, c'est tous tes potes. Allez, on continue. Les stats, tiens, regarde, on va les faire, on les a vus, les stats, c'est bon, j'ai oublié rien ni personne, c'est ok, non, c'est bon, il n'y a pas de souci, ouais, absolument. 920 opérations en une semaine. Moi, perso, je ne suis pas capable, hein. Personne n'est capable d'envoyer 920 opérations. La Genius envoie 920 opérations. 1h56 par OP, 11h58 de trading. L'autre, elle ne dort pas, hein, ça c'est clair. Hein. Elle ne dort pas, Minette, ça c'est évident. On va aller faire un tour, Mariana, si tu veux bien me mettre full size au moment où je parle. On va aller faire un tour après, bien sûr, sur les nouveautés de Genius. Le temps pour moi, simplement, de préparer toutes ces nouveautés. Je viendrai à vous en parler d'ici quelques secondes des nouveautés, en tout cas bien intéressantes, Léo, et parfois super simple en fait, parfois super facile, mais pas forcément très compliqué, mais qui facilite vachement la tâche. Tu sais de quoi je veux parler? Ben oui. De? Un carnet? Même pas. Un carnet, c'est pas si facile que ça, le carnet. Ouais, j'ai l'habitude. Le braquette? Non plus.
Allez, restez avec moi, je vous montre ça dans quelques secondes. Restez bien avec moi, je vous montre effectivement ce truc extraordinaire qui, pour moi, va révolutionner, en tout cas, encore une fois, la Genius. Encore quelques secondes, le temps simplement de préparer mon dashboard. Je vais vous parler, mais du truc le plus bête de la Terre et qui marche vraiment super bien. Je voudrais juste maintenant, voilà, arriver à ce que je veux. Absolument dans 20 secondes. Est-ce que je peux l'avoir? Voilà, encore quelques secondes et je vais l'avoir. Sinon, ça sera tout de suite après. On va parler de ce qui va révolutionner encore une fois la Genius, c'est évident. Voilà, encore quelques petites secondes. Vraiment, des petites secondes de rien du tout. Je vais y arriver, je veux y arriver et j'y suis arrivé. Allez, cette fois-ci, en même pas 3 secondes, je vous montre. Voilà. Est-ce qu'on peut voir, Mariana, mon écran très rapidement? Voilà, on me voit à l'écran. Regardez-moi ça, regardez ça. Alors, je vous montre d'abord le truc le plus facile de la Terre à voir. Mariana, j'aimerais, s'il te plaît, voir l'intégralité de mon écran. Je ne veux pas que le côté du logo soit caché, s'il te plaît. Les crops de Mariana, plus dur que dur. Est-ce que je peux avoir mon écran, s'il te plaît, Mariana? Voilà. Mets-le, tiens, full size, t'embête pas. Enlève-moi, tiens. Tiens, enlève-moi. Enlève-moi de l'écran, Mariana. Mets mon écran full size, s'il te plaît. Enlève-moi de l'écran, s'il te plaît, Mariana. Voilà. Enlève-moi de l'écran et mets-moi full size. Mariana, enlève-moi de l'écran, mets-moi full size. Voilà. Est-ce que je peux avoir là-haut ma barre de menu, s'il te plaît, Mariana? Je voudrais voir mon écran plein size, s'il te plaît, Mariana. Et ben voilà. Et ben regardez en haut. Regardez en haut. Vous avez un soleil. C'est con comme la lune, mais ça marche super bien. Écoute bien. La Genius est capable de te dire avant tout le monde si le marché est facile, s'il est compliqué ou s'il est complètement inabordable. En gros, le soleil, ça veut dire que tu peux rentrer dedans. En gros, si jamais il y a un peu de nuages, ça veut dire que tu as intérêt à faire autre chose. Et en gros, si tu as le tonnerre, ça veut dire que tu éteins complètement ta télé et laisse tomber. En dessous, juste en dessous, regarde, tu as le graphique. Je vais t'en parler parce qu'il y a même le multigraphe maintenant chez Genius. Et à droite, non, non, tu rêves pas. Il y a le GIF of Market et même le bracket order. Ah bah alors là, on est, tu vois, au-dessus, c'est le soleil. Le truc, c'est une dinguerie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Genius te permet l'auto-trade, la sortie d'opération et tu vas avoir l'entrée d'opération en bracket via des OC, un OSO. Luc, tu deviens fou? Bah oui, je deviens fou. Moi, Genius, c'est absolument génial. Est-ce qu'on peut revoir une dernière fois mon bracket? Voilà, et mon Diff of Market. Oh là là, qu'il est beau. Oh là là. Oh, c'est génial. Regarde, et c'est vraiment le truc nouvelle. C'est V2, hein? C'est V2 avec plein de nouveautés. Tiens, est-ce que tu peux, là, deux petites secondes, Mariana, me mettre plein écran maintenant. Et on va montrer dans quelques instants à tous ceux qui nous regardent la possibilité de Genius, encore une nouveauté de Genius, une grosse nouveauté Genius. Tiens, on va dans quelques secondes vous montrer tout ça, le temps de vous préparer les écrans et vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vraiment assez fabuleux. Dans quelques instants, la dernière nouveauté encore, Genius Station, Mariana, 5, 4, 3, 2, 1. Hein, allez, tu vas pouvoir nous montrer le multi-screen, tout simplement, ce multi-screen, multi-écran de Genius. On peut voir Genius? Est-ce qu'on peut voir Genius? On peut, Mariana? Voilà! Multi-screen, oh là là, c'est fabuleux. Multi-screen, multi-écran, tu peux déplacer les écrans où tu veux, c'est fabuleux. Et tout ça, c'est dans Genius. Il va y avoir une grande présentation, normalement jeudi de cette semaine. Faites-vous plaisir, absolument faites-vous plaisir. Allez, terminé, hein, les gâteries, ça va. Je vous rappelle que Genius, vous pouvez tout de suite vous abonner, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, ou alors genius-station.com. On y va, c'est parti, Léo, t'es là?
présent. Allez, c'est parti. On y va pour cette émission jeune et trading égale danger. On va d'abord parler bien sûr du trading. Alors trading littéralement, c'est investir. L'investissement, ça parle d'argent. C'est déjà une chose. Sois pas complètement sorti du concept. Le trading, c'est d'abord du fric. Si t'as pas compris cette histoire de pognon, t'as rien compris. Le problème, c'est qu'on était, quand on disait d'être trader, négociant. Le mot trading, c'est négocier. Tu tapes trading sur Google et tu tombes sur les négociants de voitures la plupart du temps. Bref, tu l'as compris, c'est négocier. Aujourd'hui, tu négocies plus rien. Ah bah c'est aussi une évolution du métier. Aujourd'hui, tu négocies plus rien. On négocie avant, si tu prends le Forex, tu avais beaucoup d'argent, tu voulais le changer contre du dollar, par exemple de l'euro contre du dollar, tu négociais avec le bureau de change et tu pouvais effectivement obtenir des prix intéressants. Là, tu négocies que dalle. Là, tu achètes pas cher pour revendre plus cher. C'est le truc le plus facile à comprendre. L'investissement, c'est parier d'abord sur une entreprise. Le développement d'une entreprise, le développement d'une industrie, tiens, ça va être important, on va en parler. Vous verrez rapidement de toute façon que la volatilité est beaucoup plus dangereuse sur les services que les entreprises, puisqu'il y a beaucoup plus de volatilité côté services que d'entreprises. On peut dire par exemple que les entreprises sont plutôt les fondations et les sociétés de services des mouvements spéculatifs hyper court terme. C'est de l'argent, c'est votre argent. Ouais, mais Luc, dans ce cas-là, la crypto, elle est où? Ben, la crypto, on est sur du vent. En gros, la crypto, c'est de l'air. Et puis de toute façon, la finance va devenir de l'air. On est sur de l'air, on est simplement sur l'outil le plus dématérialisé qui puisse exister, puisque on s'invente une contrepartie. Alors j'en connais un qui va me rentrer dedans. On s'invente une contrepartie. On est obligé de passer par une place d'exchange, sauf si tu as au moins 50 000 balles en margin pour aller acheter du futur Bitcoin. On achète des trucs qui ont des noms à mourir de rire. On se croirait presque dans une BD. Bah ouais, mais c'est ça le trading, Luc 2.0. Il va falloir qu'on en parle. Parce que si jamais les législateurs et les régulateurs ne font rien, bah c'est tes enfants, c'est les jeunes qui vont se faire dégommer en number one. Parce que ceux qui ont un peu plus de bouteilles, ils se laisseront pas avoir, bien sûr. D'abord, les chiffres. Ah bah 80% des comptes de trading sont perdants. Tiens, ça m'intéresserait de savoir. Léo, il y a combien de comptes de trading crypto qui perdent aujourd'hui? J'étais tombé sur une actualité il y a 2 semaines, apparemment, on est au-delà de ce chiffre. Hein. Voilà, on est au-delà de ce chiffre. Parce que 80% des volumes, c'est des algos. En fait. 80% des volumes sont des algos, et je dois dire que certains tokens, certaines cryptos, sont détenus principalement par 1, 2, 3 personnes. Là, ça te présente vraiment un danger. Alors, dans ce cas-là, c'est à 90% des arnaques. Il y a une exception qui va faire débat, c'est le Dogecoin. Il y a une personne qui détient 67% de Dogecoin. On en reparle bien évidemment. Il va falloir ramener ça au niveau de l'entreprise. Pourquoi? Ben parce que quand tu as qu'une ou deux personnes qui font le marché, forcément tu te fais éclater parce que tu passes jamais correctement. Et même quand on a plus que ça, tu te fais éclater. Alors l'arnaque number one, vous l'avez compris, c'est le copy trading. Hein, copine, d'ailleurs, on pourrait mettre même INE, le copine trading ou le copain trading. C'est-à-dire que mon copain fait du bitcoin, il est milliardaire en bitcoin, je veux faire comme mon copain. Grosse erreur, grosse erreur. La plupart du temps, ton copain n'est pas milliardaire en bitcoin. Et il ne faut pas oublier que le bitcoin, comme dont on parle, peut te faire milliardaire le lundi et SDF le mardi. On en parlera bien sûr avec Léo d'ici quelques instants. Bien sûr, les exchanges ou les brokers convainc beaucoup plus facilement les gamins qui viennent de débuter qu'une ménagère de plus de 50 ans, alors que elle, bien sûr, elle va rapidement se rebeller. En fait, l'idée est simple, c'est les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent, donc s'ils en perdent, c'est pas grave. Ils ont 100 balles, 200 balles sur le compte. Ils n'iront pas faire des histoires pour 200 balles, mon œil en tout cas. La première fois, en tout cas, que vous venez faire du trading, si vous êtes débutant, et en plus, si vous êtes jeune, vous cherchez la plupart du temps l'argent facile. Et surtout, vous cherchez celui qui les fera avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez chercher un leader, un peu comme un berger avec son troupeau de moutons. Bien sûr, le leader, vous l'aurez rapidement compris derrière, est attaché à l'exchange ou au broker. On va en parler aussi, bien sûr.
Il faut savoir une chose, c'est que les marchés financiers ont besoin de mecs qui perdent. Ils n'ont pas besoin de mecs qui gagnent. Hein. Et non, ils n'ont pas besoin de mecs qui gagnent. Ah bah c'est facile à comprendre. Dans ces marchés, il faut beaucoup plus de mecs qui perdent que de mecs qui gagnent. Pourquoi ? Bah parce que tu peux gagner de manière exponentielle, absolument exponentielle, sur les marchés financiers. C'est peut-être ce qui rapporte le plus et surtout le plus rapidement pour ceux qui savent faire. Ceux qui savent faire, on les appelle la plupart du temps des market makers. Ton broker est market maker. Ta place d'exchange est market maker. C'est eux qui gagnent absolument. Mais bon, clairement, ça, c'est pas nouveau. C'est pareil dans les affaires. Il y a ceux qui s'enrichissent et ceux qui les appauvrissent. Vous l'avez compris. Ceux qui gagnent le plus en trading ne font pas de trading. Ah non, ceux qui gagnent le plus en trading ne font pas de trading. Il m'a été donné de voir certaines émissions dans lesquelles les mecs arrivent spécialistes de la mort en moins le chou, ou alors de la société de la mère Michel qui a perdu son chat, c'est le père Lustucru qui viendra lui rendre. Les mecs sont à la télé. Hein. Les mecs sont à la télé sur une chaîne publique câblée et te balancent un truc, achète du bitcoin. Le bitcoin juste après tombe de 51 000 à 43 000. Hein, une chute vertigineuse de 10 000 points. Et là, on fait comment ? Et là, c'est comment, comme diraient nos amis africains. Et là, c'est comment ? Là, boum, tu te fais avoir. Alors, tu vas me dire, Luc, oui, mais moi, j'utilise pas beaucoup de leviers et je trade avec 50 balles, 100 balles. Ah oui, tu peux trader avec 50 balles, 100 balles. Mais quand tu es avec 50 et 100 balles et que tu n'utilises pas de levier, tu payes le broker. Parce qu'en fait, les frais du broker sont souvent plus élevés que ce que tu gagnes. Léo, il meurt d'envie de me répondre. On t'écoute. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà si vous êtes sur un dérivé et que vous utilisez l'effet de levier. Ça dépend si vous achetez cash et que vous stockez dans un wallet. Donc par exemple, si vous achetez cash, le bitcoin perd 10%, on perd de 10%. Levier, il n'y a pas de margin call, il n'y a rien. Donc avec 50 balles, si jamais je perds 10%, je perds 5 balles. D'accord. Sauf que quand le marché prend 1%, je prends 50 cents. Ben voilà, 50 centimes. Donc en fait, les gamins, on les fait aller sur ce genre de marché en leur disant qu'ils vont être milliardaires avec 50 balles ou même 500 balles. Et en définitive, s'ils sont sur le cash. Parce qu'en fait, la crypto, c'est un peu comme le reste. Tu as une partie cash et une partie dérivée. Et c'est sur la partie dérivée que tu peux travailler avec du levier. Alors le levier, c'est un peu comme si tu venais de passer ton permis de conduire et qu'on te mettait une Ferrari dans les mains de 500 bourrins. En gros, t'accélères, tu maîtrises pas, tu prends un platane, tu viens de perdre presque 1 million de dollars. Quoi. En gros, c'est ça. Avec la volatilité de ce marché, forcément, c'est pas les indices, là. Alors, la volatilité de la crypto, c'est quand même des yo-yo entre 10 et 15 000 points en permanence. Et surtout, la grande inconnue, où va-t-on ? Parce qu'on n'en sait rien. Et il y a des mecs qui véritablement prédisent 100 000. Il y a des mecs 200 000. 1 million. 300 000. 1 million. Mais alors Luc, c'est fabuleux. Bah pas tant que ça. Parce que ça vaut quoi un bitcoin réellement ? Aujourd'hui, il y a très peu de commerces et d'entreprises qui acceptent le bitcoin. Il me semble, sauf si je ne me trompe, que Mastercard a fait une boulette de papier du bitcoin et l'a jetée dans la corbeille la plus proche de son bureau. Il me semble que personne ne va au bout, n'a les tripes ni les coronets, d'aller au bout de ce qu'ils veulent faire avec le bitcoin. S'il y en a un, c'est Musk. Mais bon, il a eu raison quelque part. Il a fait 1 milliard sur le dos des gamins. Donc, 1 milliard quand même. Hein. Faut savoir à combien il est rentré aussi. Ah ben, 1,5 milliard investi, 1 milliard une semaine après. Bon. Bah, il est rentré au breakout du plus haut historique, c'est pas compliqué. Il n'avait pas cherché le breakout, justement ? Il n'avait pas, ouais, il avait pas emmené ? On est monté au créneau. On a eu l'effet PayPal. On a eu, je sais plus quel effet. Tout l'effet d'annonce. Tout est passé en même temps. Et hop là. Tesla. Et c'est descendu. Et lui a fait 1 milliard, bien sûr, sans qu'à aucun moment on ait vu l'opération ou que ce soit, puisque l'exchange avec lequel il a dealé, si véritablement il l'a fait, on est dans la crypto. Rien ne doit se savoir. Il ne faut pas dire qui fait quoi là-dedans. Alors investir dans un truc où on ne sait pas qui fait quoi, après tout, chacun fait comme il veut. Alors clairement, ceux qui gagnent le plus en trading n'en font pas. Pourquoi ? Sur Internet et les réseaux sociaux, ce sont eux qui racontent les plus belles histoires de trading qui en font le moins.
point. J'ai un exemple. Tiens, regarde, sur un réseau social professionnel. J'ai un poste qui arrive devant moi, une soumission, j'ai pas été le chercher. Le poste arrive. Et là, j'ai quelqu'un comme ça. Je me mets à faire du training. Une nana. Alors moi, j'ai rien contre les femmes, bien au contraire. Une femme qui fait du trading, bien lui en a pris, aucun problème. Ah bah oui, là-haut, on a une fervente défaitrice, une fervente défenseuse de la cause féminine. Ça, je vous dis, c'est pas intérêt à dire un truc au-dessus de l'eau. Bref, cette nana, elle envoie un post sur ce réseau professionnel et elle met en dessous un petit post « Je commence dans le trading, merci pour votre soutien ». Alors, écoute, franchement, c'est un truc fabuleux. Cette nana a tout de suite des centaines de likes et des dizaines de commentaires. Et là, fabuleux. Alors, je te refais le truc. Ah, c'est comme ça. Moi, je fais le dixième de ça, j'ai 3 likes. Peut-être que je demande à Charlotte qu'elle le fasse, peut-être qu'elle aurait plus. Alors, jusque-là, pas de problème. Donc, moi, j'envoie mon petit commentaire parce que j'ai trouvé une expérience fabuleuse. Et je la félicite, cette femme. Je la félicite et je lui dis, je vous félicite pas pour ce que vous avez dit, mais je vous félicite pour cette expérience sociale. En fait, on est en train de s'apercevoir que les réseaux sociaux, et en particulier celui qui... et de référence pour les professionnels, est en train rapidement de tourner vinaigre. Ah bah, t'envoies un poste dans lequel t'expliques que tu souhaites effectivement des recommandations et des aides et patati, et elle reçoit des commentaires en disant par qui t'as été formé, tu peux me donner son nom, bonne chance, et ainsi de suite. Moi, j'envoie juste un truc qui dit félicitations à l'instigatrice de ce poste. Vous avez fait une expérience sociale fabuleuse. C'est Target. Bravo pour avoir trouvé des clients. Et je reçois 2 messages. Alors d'abord, il y a le costaud du village. Il m'a fait penser tout de suite au mec. Tu sais, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Striptease sur France 3, d'un mec qui voulait customiser sa bagnole et qui est passé malheureusement pour le bourrin de la soirée. Et ben lui, c'est le truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors lui, m'écrit. Ouais, on s'en fout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Mais attends, je t'ai rien dit, calme-toi, oh, pisse. Hop, je le dégage. Et alors là, il y en a un second. Alors lui, par contre, costard cravate, vas-y, je te le mets en photo. Comme ça, le mec. Hein. Alors, il n'a pas la photo de son langage. Parce qu'il a mal été éduqué. Sa maman n'a pas fait le boulot, je te le dis. Tu crois que c'est avec des messages comme ça que tu vas l'aider, qui me dit? Je lui dis, attends, on se connaît, tu me tutoies, on a gardé les cochons ensemble, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit, ouais, je te tutoie si je veux. Et puis, de toute façon, ton avis, on s'en fout. Ah bah non. T'as envoyé ton poste sur un réseau public d'entreprise normalement sérieux et t'es en train de me dire que mon avis, on s'en fout. Mais c'est du tien dont on se fout. On n'en a rien à foutre, petit assureur chez AXA Winterthur. On s'en fout de ton avis à toi. Toi, tu deviens quoi? Alors moi, ce que je m'imaginais derrière, c'était, tu sais, la sirène, tu te souviens. Hein, ça, c'est la sirène. Et puis, t'as des mecs qui arrivent... Oh, un peu comme dans Viking, et qui viennent la défendre. Et je finis mon message en lui disant, tu sais, tu n'iras pas la pécho parce que de toute façon, elle s'en fout de toi, pauvre petit demeuré que tu es. Bref, encore un mec complètement abruti. Toute cette histoire pour vous dire quoi? Cette histoire, bien évidemment, pour vous dire simplement que sur les réseaux sociaux, ça n'est que du selling stories. Alors, tout y est. Hein. Le mec qui a gagné 90 000 euros en une semaine, il y en avait un, il n'y a pas très longtemps, qui avait annoncé qu'avec sa méthode, un jeune avait gagné 3 000% de son capital. Sauf qu'en fait, le gamin avait fait tout son contraire de ce que l'autre lui avait appris. Ça m'a valu d'ailleurs une dizaine de vidéos sur Internet où on me traite d'escroc, de menteur et tout ce que tu veux. Sauf que quand j'ai demandé au mec de venir discuter avec moi, le mec s'est barré, il a été très loin, il ne voulait pas en parler. Ah bah, il y en a plein sur Internet des comme ça, hein. T'as pas besoin de moi pour ça. Il y a ceux effectivement qui manipulent la création de leur vie. En gros, Internet, je peux te mettre un fond vert, Mariana envoie derrière un film de The Moon, et puis je te dis que je suis astronaute et que j'ai marché sur la Lune. Alors, ils ont gagné des millions, ils sont tous milliardaires, et tout ça, bien évidemment, avec une méthode simple, gratuite, il va te former gratuitement, mais si tu deviens membre de sa communauté, bien sûr. Alors, il y a les brokers, bien sûr, ils sont abonnés à des brokers, ils travaillent pour des brokers, c'est lui l'intermédiaire, bien sûr, du broker, et surtout le broker, c'est celui qui joue la contrepartie sur les marchés. Exemple. Tu ouvres un compte crypto-monnaie, tu es rarement chez un broker, la plupart du temps, tu passes sur un exchange.
Tout simplement, tu passes sur un exchange. Un exchange, c'est quoi? Bah, c'est le bureau de change que tu as en bas de ta rue. Hein. Si tu veux changer de l'euro contre du dollar, tu vas voir le mec qui change. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Ton argent, tu vas pas sur les marchés. Tu le donnes à l'exchange qui, lui, va jouer la contrepartie avec son stock. Donc, forcément, le deal est simple. Il gagne. Tu perds? Bah oui, t'es chez eux, ils vont pas perdre. En gros, eux, ils gagnent, quoi qu'il arrive. Tu vas comprendre pourquoi. Tu gagnes? Ah bah eux, ils gagnent plus que toi. Ah bah oui, évidemment. Comment? Alors, il y a d'abord les frais. Alors tiens, on pose la question à Léo très vite. Léo, les frais, ça fait perdre ou pas? Ça dépend, en fait. Ça fait rarement perdre, les frais. Et c'est tout petit, les frais. Luc, si on charge avec un gros levier et qu'on rentre avec une bonne marge, une bonne partie de sa marge, ben le break-even sera beaucoup plus haut quand même que le C'est pas ça dont je parle. En fait, d'abord, il faut penser aux frais fixes, ces fameux frais de 0,1%. Ah. Ça coûte rien, c'est pas le problème. Alors, c'est là où on y arrive. Les frais, c'est simple à comprendre. C'est simplement un fee qu'on rajoute sur ta position. Mais ce qui tue, c'est le slippage. Mais c'est pas ça qui tue encore plus. Alors, le slippage, pour t'expliquer, tu cliques et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, après, il te sort. En gros, il a attendu d'être beaucoup plus gagnant que toi pour t'exécuter. Donc des fois tu sors, tu as 300 USDT, et puis au moment où vraiment le broker te sort, il t'en reste 25. C'est ça le slippage. Mmh. Et c'est tout le temps. Sur un buy stop aussi, j'ai mangé 120 slippage. Hein. C'est pour ça que la crypto, ça n'est pas un broker market, c'est un exchange. Prudence! Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça, bien évidemment. En gros, il y a ce qu'on appelle leur circuit breaker. Alors, les circuits breakers, c'est un truc de malade. C'est un truc où, de toute façon, tu rêves de gagner, mais tu ne gagnes pas. Tiens, regarde, je t'explique, c'est pas compliqué. Tu attends, en fait, la plus grosse baisse de l'histoire. Toi, tu es prêt, tu l'as paramétré, tes vendeurs à découvert, tu as mis un sell stop, tu te dis, bon, ça va descendre. Et tu as un profit and loss prévisionnel. En gros, tu vas sortir avec un petit coup de 5000 balles. C'est possible? Ah bah oui. Quand le Bitcoin chute de 52 000 à 42 000, je te garantis que tu triples le capital. Il n'y a aucun problème, un peu de levier. Et là, tu l'exploses. Sauf que, au moment où tu es starté, de black, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de broker, il n'y a plus d'interface, il n'y a plus de téléphone, tu ne sais plus comment tu t'appelles, plus d'électricité, plus rien. Je vais trop loin, bien sûr, tu l'as compris, mais on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps, l'exchange vient de se bloquer toute transaction. Il n'y a pas que sur la crypto, je vais t'en parler après. En fait, l'exchange est en train de bloquer l'opération de ta vie. Seul qui fait que tu aurais pu faire 4 fois le capital, plouf, tu es dans le black. Et bien sûr, le marché repart et toi, tout se rallume. Et au moment où tout se rallume, tu es à l'envers. Margin call. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu appelles ton broker, tu es en colère. Tu dis quand même, merde, c'est quoi ce truc-là? Passe-moi, monsieur l'exchange, que je puisse lui dire ce que je pense. Et là, le mec te sort un truc. Mais alors, ce truc-là, très sincèrement, il fallait vraiment l'avoir calculé. Tu sais, je les imagine avec le cahier des objections et de réponses aux objections. Il tourne les pages, le mec. Alors, en cas de coupe-circuit, le client n'est pas content, qu'est-ce que tu lui dis? Le mec te dit, bah, t'aurais dû mettre un stop. Quoi? Hein? T'aurais dû mettre un stop. Mais attends, espèce de débile, si tu m'obliges à mettre un stop-loss sur une opération, c'est que véritablement, tu veux me secouer. À quelle heure le stop-loss m'aurait sorti si ta plateforme est en panne? Ça veut dire qu'elle n'est pas en panne, ta plateforme? Ben, quelque part, ça veut dire qu'elle n'est pas en panne. Mettre un stop-loss n'a jamais permis de sauver quoi que ce soit. Ça a permis de vider ton compte plus vite. Ah ben oui. Ben, venez avec vos stop-loss, venez m'expliquer alors. Venez, on va faire les mêmes opérations. La force de la Genius, c'est qu'elle s'est crachée un ordre. Vous expliquez à vos clients que vous avez secoué, qu'il fallait qu'ils mettent un stop-loss. Oh bah l'argumentation, elle est quand même relativement facile dans l'histoire. Un stop-loss n'a jamais été garanti. Un stop-loss ne garantira jamais vos gains. Un stop-loss ne vous protégera absolument de rien. Oui, mais alors Luc, comment tu fais en cas de coupure?
Ah bah tu lui imposes simplement une limite de perte en capital. C'est ce que fait Genius. C'est-à-dire que tu peux dire à ton broker, tu n'as pas le droit de m'engager au-delà d'une certaine somme du capital. Et Genius, elle le fait régulièrement. Luc, c'est quoi un stop? Vous parlez d'un ordre stop. Le stop loss. Stop loss. Voilà, ça aussi c'est une expérience plutôt sympa. Enfin, pour finir, avant de donner la parole à Léo, et puis on demandera à Stéphane aussi deux, trois petites choses juste après sur l'âge légal pour pouvoir effectivement faire du trading et surtout la responsabilité des brokers en cas de coupe-circuit. On va finir avec cette histoire où tout ce milieu est plein d'amis, c'est les bisounours, tout le monde se donne la main. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres réseaux, et tout le monde se file la main dans la main et on se balade dans la pampa. Tu n'as aucun ami. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, le jour où il y en a un qui tente de te faire croire que c'est ton pote, t'as intérêt à te méfier de lui de plus que tous les autres. L'effet de groupe, de communauté, des mecs qui disent que du bien de l'influenceur, on le connaît, de la méthode qu'il utilise, de ses bouquins. Mais en fait, quand tu grattes, il n'y a que du vent. Les influenceurs qui ont des soldats qui les protègent, qui font une image de gladiateur, alors qu'en définitive, c'est un chaton qui comprend encore moins le trading que toi, tu l'auras capté. Alors, bien sûr, on va vous donner des évidences. Un marché qui monte, bah, ça semble normal. Un marché qui descend, ça paraît quand même spécial. Quand on débute, on ne vend rien, on achète. Bien Et quand sûr. Le marché tombe, on n'y touche pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et on apprend ce que c'est que véritablement les marchés financiers. Comme le Bitcoin. Le Bitcoin se résume à un effet de mode, d'après moi, où tout le monde, effectivement, cherche à faire acheter le maximum de Bitcoin jusqu'au moment où on tirera, bien sûr, la chasse d'eau, c'est évident. Influenceur, broker, si tu veux faire de la crypto, t'as intérêt de te renseigner chez qui tu mets de l'argent et surtout, au moindre doute, tu coupes tout, tu t'arrêtes, tu récupères tes gains et basta, c'est réglé. Le principe de la Genius, c'est essayer de faire un broker killer. Le broker, on contourne tous ces coupes-circuits de façon à gagner. Clin d'œil à Stéphane qui a déjà doublé son capital grâce à Genius en même pas une journée sur la crypto-monnaie. En tout cas, c'est réglé. Tu achètes par conviction, tu laisses les autres vendre, toi tu n'y touches pas. Le marché monte, tu achètes. Le reste du temps, tu le laisses descendre. Quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on va remonter. On va parler très vite, Léo, si tu me le permets, de l'effet Reddit, de l'effet GameStop. En fait, GameStop, effectivement, Reddit, on a bien compris que Reddit, c'était le réseau social de ceux qui voulaient avoir de l'influence sur les marchés. Je soupçonne que Musk soit dans le coin, ça c'est clair, il ne doit pas être très loin. L'effet GameStop, bah, je purge, tout le monde achète. Le Robin Hood interdit la transaction sur GameStop. Forcément, par effet de manœuvre, le GameStop monte. Ça a pris 15% depuis lundi. C'est pas du trading. Ça n'a jamais été du trading. C'est donner son blé à des gens qui vont de toute façon, à un moment ou à un autre, te le prendre. Comme ça, c'est réglé. Léo, ça va? Ça va, en pleine forme. Hein. La grosse arnaque qu'on a vue là dernièrement. Une grosse arnaque. Alors attends, avant de pointer du doigt et que tu comprennes de qui on va parler. Je me rappelle du nom du coin. Ouais, mais à la limite, c'est pas ce qui nous intéresse. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en garde sur certains tokens. C'est quoi un token, Léo? Un token, bah, ça peut être beaucoup de choses à la fois. On peut se servir d'un token pour, par exemple, scinder des parts d'entreprise comme des actions, au final. Sauf que là, bah, c'est comme des fractions d'actions sous forme de tokens qu'on peut s'échanger, on peut payer avec. On a des tokens de gouvernance. Pour gouverner au sein d'un protocole, d'une blockchain, qu'est-ce qu'on fait? On la met à jour, on la met pas à jour, machin. On a l'utility token, ben, pour fidéliser ses clients. On peut avoir des tokens pour mille et une raisons. En fait, le token, c'est un jeton qui permet d'avoir un reward. Un reward, c'est une récompense. Et c'est la prochaine arnaque qui déjà est en place et qui va continuer à prospérer. Donc on va vous en parler, ces fameux tokens. D'abord, pour aller créer un token, ça ne demande pas beaucoup de moyens, Léo, sincèrement. Non. Créer un token, ça va assez vite parce qu'en plus, il y a des blockchains qui permettent la création de tokens en 2 minutes chrono. Oui, mais même sans parler de cette blockchain-là, vous allez sur Google, vous tapez comment créer un token, vous prenez le code source. Qui est du code informatique, vous le copiez, vous le collez, boum, vous avez votre token ERC20 sur la blockchain Ethereum. C'est contrôlé par quelqu'un, il y a des régulateurs ou on n'en a rien à foutre? Ça dépend du type de token. Si c'est un token pour faire une ICO, si c'est un utility token, ça n'aura pas la même régulation. Si c'est un token de gouvernance,
sera pas la même régulation. Token d'ICO, t'achètes une part d'entreprise. Token de gouvernance, c'est un peu particulier, mais c'est pour avoir en fait un droit de vote, de participation, parfois de veto, mais c'est rare, c'est clair. Et le token, tu disais aussi de... L'utility. Alors on parle souvent de tokens verts ou des tokens. On peut tout tokeniser, hein. Les animaux, les humains, on peut tout tokeniser. Le Binance Coin est un utility token. Le Binance Coin. Alors, il va falloir quand même que vous puissiez comprendre une chose très simple. D'abord, on parle d'industrie. Tout ce qui est service, sans avoir de valorisation, ni même d'immobilisation, c'est facile à voir. Une valorisation, si tu veux acheter du token, tu demandes à l'émetteur si véritablement il y a une valeur de son token. Je ne te parle pas du côté facial. Je ne te parle pas du facial. Je te parle de ce qu'il y a derrière. Le bilan, le haut, le bas, l'évolution, l'avenir, le futur, et ainsi de suite. Si tu achètes un token parce que tu as entendu Olivier de la 5e 3 te dire effectivement j'ai acheté ce token, il va exploser, ton fric va partir à la poubelle. Ça, c'est la première chose. Et là, on va parler d'industrie, de vraie industrie. C'est pour ça qu'il va falloir que tu fasses attention. Parce que sur Internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des mecs qui ont acheté une caméra il y a 10 ans avec un fond vert dégueulasse, qui se la racontent trader, qui ont été vendre des t-shirts, tout ce que tu veux auparavant, et qui véritablement, tout d'un coup, allez, on va te créer un token, allez, les verts. Sauf que, quand tu as effectivement derrière rien, en termes d'entreprise, tu vas te faire avoir. Parce qu'en gros, le pognon que tu vas donner pour acheter ton token, il va pas rentrer dans la poche de la tienne, il va rentrer dans la sienne. Et après, un token, ça se démonte aussi facilement que ça se crée. Pas forcément. Ça s'abandonne. Ça dépend, Luc. Après, je suis tombé sur... Je te parle des arnaques, moi. Ah, des arnaques. Je te parle des arnaques. J'ai trouvé un token régulé par l'AMF. Hein. J'ai trouvé, moi, un token à 0,00000000001. Tu vois le machin ou pas? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, ça raconte tout et n'importe quoi. On va trouver des fonds. On va lever des fonds. Mais attends. On reprend l'idée de base quand même. L'idée de base, c'est... Tu l'as rentré, ce que je t'ai donné tout à l'heure, 12830, 12850, parce qu'on est à 12850 target. Hein. On a tout défoncé sur le Nasdaq, là. Boum. Je pense que là, voilà, 120. Je suis pas sûr qu'elle l'ait attrapé, celle-ci, parce que nous, on l'avait rentré, ça, c'est clair. On a, dans l'histoire... Une société vide de tout, parce que la société, en fait, l'essence d'une entreprise, c'est non seulement son objet social, mais surtout son immobilisation, son industrie, c'est-à-dire sa création, son matériel, quelque part. Je ne te parle pas d'un ordinateur, je te parle de quelque chose de tangible. Si tu n'as pas quelque chose de tangible, tu vas parier sur quelque chose de pourri. Alors, c'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque, Léo? Cette arnaque, c'est justement un gars très connu, on va pas citer, qui fait de la formation au trading, soi-disant. Fait de la formation au trading. Et justement, il attire beaucoup de monde. Il crée des smart contracts, il a créé son propre token. Sauf que déjà, quand on va sur le site où le token s'achète, on se rend compte dans les petites lignes qu'ils font exchange aussi, sauf que le truc n'est pas mis à jour depuis 2017, parce qu'ils ont créé ça en 2017, vu que c'était à la mode en 2017. C'est un token. Donc tu crées un token, tu deviens exchange, donc tu vends ton propre token. Donc après, à la limite, ton token, il n'est pas achetable ni vendable via un autre exchange, en fait. C'est ça. Et même, on regarde les volumes qu'il y a sur l'exchange, on voit il y a zéro volume. Où on les voit, tout ça? Où c'est qu'on les voit? Sur le site de l'exchange. Donc en fait, quand vous achetez un token, quand vous achetez effectivement quelque chose, il faut que vous puissiez contrôler le volume d'échange, la place effectivement d'exchange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à contrôler, Léo? Le prix? Qui détient quoi? Luc, je suis allé sur Etherscan, le mec détenait 85% de la supply à lui tout seul. 95% de la totalité de son token. Ça veut dire qu'en fait, là, le mec fait la pluie et le beau temps. Donc, quand vous achetez un token, que vous soyez jeune ou pas jeune, vous allez d'abord chercher les fondamentaux du token, à savoir, bien sûr, qui fait quoi, comment ou combien. Si vous savez faire ça, il n'y aura pas de problème. Mais attention, Luc, attention! Ah, j'ai dit une connerie. Il y aura des problèmes. Non. 80% des bitcoins sont détenus par 2% d'adresse wallet. Oh, tu nous redis ça tranquillement? 80% des bitcoins sont détenus par 2% de personnes.
Par contre, je ne parle pas de dérivés, je ne parle pas de contrats à terme qui arrivent à échéance. Je parle vraiment de ceux qui sont arrivés en premier, qui ont acheté ça à 63 centimes. Maintenant, on se retrouve à 50 000, ils sont milliardaires. Ils font le marché. Alors, ils font le marché, ils font leur prix, ils font ce qu'ils veulent. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents, n'allez pas acheter n'importe quoi. Il n'y a pas d'effet de fou, il n'y a pas d'effet de masse. Il n'y a pas d'effet, vous croyez. Mais il ne faut pas croire toutes ces conneries. Il ne faut pas croire un mec qui vous dit sur Internet que tout le monde se met à acheter son token et compagnie patin-couffin. C'est de l'air, c'est du vent, ça vaut rien. Il y a effectivement beaucoup, 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 malheureusement, de gens qui essayent de vous faire croire cette chose-là. Et en définitive, ça n'est pas réel. Je vais mettre mon oreillette. Ah, il y en a un qui fait. Moi, je ne sais pas de qui vous parlez, hein, personnellement. On n'a cité personne. On fait de la prévention. Comment ? Il y en a un qui a trouvé, j'ai vu. Ah, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Quiconque se pointe devant chez moi avec des intentions malsaines, maintenant, voilà, on sent le bâton direct. Hein. On ne s'emmerde plus à discuter. Ça, c'est clair. On va aller chercher Stéphane. Ah, Stéphane qui est parti. Voilà, bon, on va aller le rechercher. Stéphane, il faut qu'il reste avec nous. Stéphane, tu es là ? Génial. Est-ce qu'on voit Mariana, Stéphane là-haut ? Est-ce qu'on peut avoir Stéphane dans la télé ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce qu'on peut avoir Stéphane dans la télé ? Il est là, Stéphane. Salut, Stéphane. Bonsoir, Luc. Super, ça va ? Ça va, super. Je suis l'émission depuis le départ. Très intéressant. Bah, et auquel il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup non, mais de choses à dire. On a un pro là-dessus, un spécialiste là-dessus. On ne cache pas que véritablement l'industrie de Genius, puisqu'on parle d'industrie et plus de prestations de services, on a quand même un logiciel fabuleux, on a quand même un futur fabuleux, on a quand même plein de choses qui véritablement aujourd'hui valorisent une entreprise comme la nôtre. Quand on tokenise une Genius, on tokenise pas la société Trucmuche du bout de la rue avec un internet et un YouTube. Faut pas déconner quand même. Il y a un moment, il faut quand même se rappeler ce que c'est que l'essence des marchés financiers. Stéphane, on peut faire de la bourse quand on a moins de 18 ans. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte quand on a moins de 18 ans ? Alors déjà, quand on a moins de 18 ans, il faut l'accord des parents. On est mineur, donc on ne peut pas ouvrir de compte sans l'accord des parents. Donc en gros, c'est les parents qui s'occupent de l'ouverture de compte pour les enfants généralement. Alors Léo, il n'a pas l'air d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Léo ? Mais Luc, si on trade alors qu'on est mineur et que les parents sont d'accord, c'est qui paye les impôts ? Alors, Stéphane, la question, tu sais, du fiscaliste à ma droite, si jamais on gagne de l'argent, les parents ont accepté, qui paye l'impôt ? Le gamin ou les parents ? On n'entend plus Stéphane. Allô Stéphane, tu m'entends ? 3-4, oui, 3-4. Oui, je t'entends très bien, Luc. Le revoilà, voilà. Stéphane. Voilà. Qui paye les impôts si les gamins gagnent du fric ? C'est les parents, parce que l'enfant, il fait partie du foyer fiscal des parents. Et donc, les revenus qui pourraient être générés par l'enfant rentrent dans les revenus des parents. Excellent, absolument excellent. Qu'est-ce que je voulais dire ? Autre question. Le gamin ouvre un compte. Les parents ne sont pas au courant. Pardon. Ils ne sont pas contents d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas au courant. Le gamin perd de l'argent. Il y a moyen de se retourner contre le broker qui a ouvert le compte ? Ah bah pour moi, déjà, le broker ne devrait pas autoriser l'ouverture de compte auprès d'un enfant mineur. En tout cas, nous, en gestion de patrimoine, ça n'est pas possible. On demandera toujours l'accord des parents. Et donc, effectivement, si en plus il vient à perdre de l'argent parce que nous, je dirais, on déconseille très clairement le Bitcoin ou autre, on pense que c'est un actif à risque, et encore plus quand on est enfant, parce que on va plutôt aller épargner petit à petit et prendre déjà des bonnes habitudes. Donc oui, je pense qu'on peut se retourner largement. Bon, déjà ça, c'est un élément super important. Est-ce que le broker peut se faire blouser ? C'est-à-dire, est-ce qu'un gamin peut ouvrir un compte à la noix avec un compte bancaire ? Tu sais, maintenant, avant 18 ans, ils ont une carte bleue. Est-ce qu'il peut blouser le broker, envoyer de l'argent et effectivement se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas ? Il y a quand même des vérifications, normalement. Ah bah logiquement, il y a des vérifications. Et la première, c'est la pièce d'identité, Luc. Donc, pour moi, je comprends mal comment un broker ne peut pas savoir. Bon, en tout cas, c'est clair. S'il ne vérifie pas la pièce d'identité, il est en faute, parce qu'il a l'obligation de vérifier l'identité. J'aurais même tendance à dire à vérifier également l'adresse. Et puis, une troisième chose très claire, c'est si la personne, elle est saine d'esprit. Voilà. Pour moi, c'est les trois vérifications minimales déjà
Donc on résume, en gros, si jamais le broker a ouvert un compte à un mineur, il n'a pas le droit de le faire. Donc parents, vous pouvez vous retourner vers le broker. Et crois-moi, je vous encourage à le faire, surtout avec certains qui vous ont blousé. Ceux qui aiment le copy trading, les CFD, c'est les plus grosses arnaques. Hein. C'est pas moi qui le dis. Ça a été interdit, Canada, États-Unis, Belgique, ils veulent plus entendre parler de CFD, il y a tellement eu d'arnaques, tous ces trucs-là. Donc si le mec te parle de CFD, tu cours, ça c'est évident. Donc si le gamin a ouvert un compte et que le broker l'a autorisé, alors qu'en définitive, il n'a pas fait les contrôles nécessaires, vous pouvez vous retourner vis-à-vis du broker pour obtenir réparation, ça c'est la première chose. Les impôts, si ça se passe bien, bah, c'est vous qui allez les payer, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, Stéphane, en gestion du risque? Si les parents hésitent encore à accepter l'ouverture d'un compte de Bitcoin, de crypto par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Quelles sont les premières règles qu'il faut qu'ils instruisent à leurs enfants? Mais d'abord, c'est tout simplement d'apprendre à compter et à dire les plus et les moins. Quand on gère un compte, ben on rentre de l'argent dessus et on vient en retirer. Donc déjà, la première notion, c'est peut-être la notion de gérer un compte de manière positive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement d'apprendre à mettre de l'argent petit à petit de côté, donc une épargne. Et pour ça, il y a les livrets bancaires qui s'y prêtent très bien. C'est tout simplement à apprendre les bons gestes. Et à aujourd'hui, c'est ce que j'invite à faire tout parent pour apprendre à son enfant à épargner. Donc avant même de spéculer, il faut déjà apprendre à épargner. En gros, c'est ce que tu viens de nous dire. Tout à fait. La spéculation, je dirais, c'est risqué. Donc à aujourd'hui, le but c'est pas de prendre du risque. Le but c'est d'apprendre les bons gestes. Les bons gestes c'est d'apprendre à bien gérer un compte, parce que débit, crédit, voilà, tout simplement, c'est de la base bancaire, je dirais. Et ensuite c'est d'apprendre à épargner, donc de mettre 10, 20, 30 euros tous les mois de côté. C'est des bons gestes, c'est des bonnes habitudes. Ça c'est parfait. Stéphane, une dernière question. Quelle est ton opinion sur les tokens? Alors, à aujourd'hui, sur les tokens, il faut bien regarder justement les tokens. Et comme tu viens de le dire avant, il y a beaucoup de choses. Et il faut bien différencier les tokens, ce qu'on pourrait appeler la crypto-monnaie, qui ne repose sur rien, et les crypto-actifs, qui reposent justement sur des actifs. Et donc, quand on veut investir dans un token, je dirais c'est de vérifier le token. Comment est le token, si c'est un utility token, si c'est un autre token ou autre, et puis de vérifier la société, parce que demain, un token va être comme un actif qu'on peut souscrire, donc il faut vérifier la solvabilité aussi de la société. Vu que quand on va placer son argent dans un token, eh bien, voilà, c'est ce que disait Léo, et je rejoins pleinement Léo, c'est de dire il faut vérifier. Et donc, j'aurais tendance à dire que demain, et d'ailleurs nous aujourd'hui, moi je suis les recommandations de l'AMF, hein, très clairement, à aujourd'hui, la tokenisation de l'économie devra nécessiter, je dirais, un accompagnement au niveau des gens qui veulent souscrire, parce qu'effectivement, on peut avoir à aujourd'hui tout et n'importe quoi, et donc comment s'y retrouver dans cet environnement de token, très compliqué à aujourd'hui. C'est clair, c'est évident. Léo, il est content parce que tu rejoins son point de vue et c'est vrai que c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il n'a pas tort, on n'achète pas du token, on n'achète pas de la crypto comme ça pour le plaisir. On l'achète parce qu'on a su faire une étude minimum auparavant. Est-ce que tu penses que, Stéphane, de notre côté, une tokenisation, un jeton de Genius, ça serait une bonne idée? Ce serait une super idée. Premièrement, parce que la Genius, elle repose déjà sur un chiffre d'affaires qui est généré. Et elle repose sur un API et une technologie qui est innovante. Donc ça se valorise. Donc aujourd'hui, le token Genius, oui, il se prête pleinement. Il a un vrai sous-jacent, il a un vrai actif. Il sera valorisé année après année. Plus la Genius va être développée, parce qu'au départ, il y a les premiers développements. Et je dirais derrière, il y aura la finesse liée au développement qui donnera toute la valeur à la Genius. Et donc, c'est son API qui sera valorisé comptablement. Donc le token Genius, demain, il devrait prendre de la valeur. Ça me paraît une évidence. Donc, eh ben, oui, écoute, très bonne idée.
On va y réfléchir très fortement et on va effectivement y penser. Et nous, on sera token de participation, c'est-à-dire que ça sera un reward de l'entreprise et pas un reward à la mort moins de chou avec un ballon et un Kinex à la fin de l'année. Je vais vous prendre un exemple très clair de ce que je vous ai dit juste avant. Est-ce qu'on peut avoir Stéphane avec moi, s'il te plaît, Mariana? Je vais reprendre un exemple très clair. Il y a un Jonathan Liénard, tu vois, Stéphane. On était en train de discuter et de prévenir les gens face au token, la tokenisation, au Bitcoin et ainsi de suite. Et bien, Jonathan Liénard, en définitive, ça ne doit pas être son nom et son prénom parce que la plupart du temps, c'est des poules mouillées cachées derrière un roseau. C'est quelqu'un qui agit sur Internet pour justement polluer Internet et faire croire à des choses qui n'existent pas. Les jeunes, ils sont sensibles, ils ont peur de ça et ils devraient justement se méfier de plus en plus de ce qui circule sur Internet. Il y a de tout et n'importe quoi. On se dit milliardaire sur Internet alors qu'on a à peine le SMIC. J'ai même vu un trader qui se disait millionnaire et qui n'avait même pas de voiture. Il était au RSA et je vous prie de me croire, c'est une vérité. Tu vois, Stéphane, les réseaux sociaux, Internet, c'est quand même super destructeur quand même. Hein. Ah ben, les réseaux sociaux aujourd'hui font circuler à la fois de très bonnes choses comme de très mauvaises choses. Ça peut être très destructeur. On peut jouer un jeu de rôle aussi par les réseaux sociaux. On peut marketer plein de choses de manière assez facile. Aujourd'hui, la technologie permet. Ce qu'il faut, c'est tout simplement, je dirais demain, regarder les agréments de ces personnes, premièrement, parce que ça pourrait être aussi une question de réglementation et de dire, bah, si vous, voilà, nous, aujourd'hui, on a l'ORIAF qui réglemente notre profession, qui réglemente aussi ce que l'on fait. Hein, on ne fait pas les choses n'importe comment. On va regarder le profil de risque de l'investisseur avant tout investissement. On va regarder son projet, on va regarder la durée. On va poser énormément de questions pour de toute façon apporter un conseil que prendra ou ne prendra pas le client. C'est lui qui décide, mais avec des hypothèses de travail, avec des pré-explications. Et donc là-dessus, on est obligé de se former chaque année. On est obligé de s'inscrire, d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Et pour ça, l'ORIAS fait très très bien son travail. Voilà, et aujourd'hui, on a des autorités qui veillent au grain. En tout cas, ce n'est pas une activité facile. C'est loin d'être ce qu'on vous raconte sur Internet. C'est loin d'être le monde des bisounours qu'on vous raconte sur Internet. Vous n'avez aucun ami. Alors, c'est clair, vous n'avez aucun ami. Et ce n'est pas parce qu'on vous a liké que véritablement, on vous protège. On finit cette émission qui a duré un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Léo, il trépine d'impatience. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi, j'allais dire aussi ce qu'il faut aussi distinguer, Luc. Il y a un petit point qu'il faut distinguer aussi, c'est ceux qui proposent des formations. Parce que par le biais de la formation, ils amènent des choses. Est-ce qu'ils ont aussi la possibilité ou la connaissance de créer toutes ces formations? Aujourd'hui aussi, on voit que dans toutes ces ventes de formations par les réseaux sociaux, j'aurais tendance à dire que pareil, il y a tout et n'importe quoi. Et donc attention à ceux qui nous font des fausses promesses et attention aussi à toutes ces formations trading, ces formations sur les cryptos, ces formations... Attention, il y a vraiment tout et n'importe quoi. La plus grosse des arnaques sont les gens qui vous offrent des formations gratuites sur Internet, qui vous disent qu'ils gagnent des millions, les messages de témoignages qui sont aussi bidons que les autres. On m'a traité d'escroc pendant très longtemps, alors qu'en définitive, je faisais mon métier de manière extrêmement précise, avec des éléments précis, des programmes complets, des manuels complets. Aujourd'hui, ceux qui me traitent d'escroc font des formations avec rien, du vent. Alors, ils appellent ça scalping avec des PDF de 2016. Ils appellent ça trading live avec des vieux trucs dégueulasses qui ressemblent à rien, des PDF de 4000 pages que tu liras même pas parce que tu n'en as même pas envie. Et il y a une chose très simple pour la formation. Avant de t'inscrire, tu demandes simplement que le mec te fasse gagner. Fais-moi gagner. Dis-moi à quel moment je dois acheter et à quel moment je dois vendre. Et vous verrez que la plupart du temps, il ne le fera pas. Et si jamais il devait le faire, il le fera sur son compte. Après, il y a des accords qui peuvent intervenir avec certains brokers pour falsifier et truquer les comptes. Donc méfiez-vous, bien sûr, c'est vous qui devez gagner, pas le maître qui doit vous former, ça n'a aucun intérêt. Stéphane est parti, on finit avec... Je suis là, je vais juste te dire, moi, je vais prendre mon exemple personnel, je me suis formé à tes côtés, tu me fais gagner tous les jours, et puis ce que j'ai fait aussi, ce que tu m'as dit, depuis très longtemps, depuis qu'on se connaît, Stéphane, entraîne-toi, d'abord de la démo, apprends très calmement. J'ai appris, j'ai pris le temps. Au départ, il y a la démo. J'ai vu que dans la démo, je gagnais. Et ensuite, on peut passer au réel. Et ensuite, on peut se dire,
je vais gagner réellement avec quelqu'un qui me fait gagner. Et j'en offre la preuve tous les jours. Et deuxièmement, j'ai pris le temps de me former. Soyez pas pressés à gagner, construisez votre réussite. Tu vois, moi, pour moi, j'allais dire, tu m'as construit ma réussite sur le trading. Et aujourd'hui, oui, j'ai fait très, très belles opérations sur les cryptos. Ah, on l'a perdu, Stéphane. Ah. Stéphane, il n'y a plus de son. Et là, Genius, parce que ça a été une vraie réussite. Et Léo a été également hyper utile dans cette réussite. Ah bah. Tu vois, donc c'est un ensemble. Léo, il est en live tous les jours. Nos amis savent. Léo, il est en live tous les jours. Il y passe sa journée encore plus que moi. Ça, c'est clair. On va lui donner la parole à Léo parce que c'est lui qui finira l'émission. Il trépigne depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, Stéphane. On t'écoute, Léo. Justement, je voulais rajouter un truc là-dessus. Alors, les mecs sur les réseaux, juridiquement, c'est illégal de conseiller à l'achat ou à la vente d'instruments financiers. On ne fait pas de conseil sur les réseaux sociaux, ça n'est pas possible. Et pourtant, j'en vois et ça ne devrait pas y être. Ah, mais si avec ça, et j'ai une question aussi pour Stéphane. Ah. Stéphane, quand on est mineur, on peut aussi passer par un exchange décentralisé. Et là, c'est décentralisé. On stocke nos actifs financiers dans un custodial wallet. Nos fonds nous appartiennent, on possède la clé privée. Il n'y a pas de KY, il n'y a pas de Know Your Customer, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de vérification, ni de numéro fiscal, il n'y a rien. Mais la responsabilité, ce que disait tout à l'heure Stéphane, il a raison. La responsabilité du broker ou de l'exchange, cette fois-ci, est véritablement engagée. Puisqu'il y a des règles, c'est la blockchain. Ah oui, la blockchain anonyme, sans nom, sans prénom, sans adresse, sans rien du tout. Mais sinon, vas-y, t'inquiète. On t'attend au bout, tu nous prends une place, on arrive. Tu la connais celle-là, non? On arrive devant le club, on lui dit vas-y, rentre, tu prends une table et une boisson et on arrive. On sera 16. Prends 4 bouteilles, on sera 16. Ça, c'est l'idéal. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi encore une fois ce soir. Merci d'être là encore une fois à toutes les émissions. C'était Luc, Léo et Stéphane pour cette émission The Let's Luc Money Show. Encore une fois, une émission un peu plus longue qu'à la normale. On rigole bien. J'espère que vous avez retenu certaines choses et vous ne vous ferez pas avoir, s'il vous plaît. Soyez prudents. On a tellement de gens qui nous appellent en nous disant trop tard, je me suis fait dépouiller par un tel, par un tel, par un tel. Si j'avais su, je serais venu vous voir avant. Faites attention. Attention, on est tellement sympa dans la Genius que je vous rappelle, vous avez encore quelques minutes pour acheter les manuels, les livres de trading de la collection Trader Book et le côté, oui c'est ça, hein, Trader Book et édition Money Book, Trader Book et Money Book, vous avez la possibilité de les acheter, vous avez un bon d'achat de moins 50%, c'est valable jusqu'à 20h30. Écoute-moi bien Charlotte, si jamais le bon est encore valable après 20h30, je démissionne, je pars. Donc 20h30, c'est terminé. C'est un super cadeau en tout cas qu'on vous fait. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Regardez-la en live, en replay. Partagez-la, faites-vous plaisir, faites attention. Rendez-vous demain à 8h30 dans Genius pour l'émission Hello Trader. Si vous venez pour la première fois, prenez du gel, mettez du gel, ça va décoiffer. Voir AutoTrade Genius travailler et la voir envoyer des ordres en rebond, en reprise, voir ça devant vous, vous faire gagner, c'est juste fabuleux. Take care, tchuss, enjoy, ciao, bye bye.